Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. Aujourd'hui, c'est un plaisir lié pour nous montrer nous et présenter nous et logiciel ça qui relie Transsoft, un logiciel qui créé spécifiquement pour compagnie de transport côté nous à montrer nous permettre avec tout utilisateur pour capable apprendre et manier et toute la finance et que compagnie transport là et bail. Donc dans ce sens pour aujourd'hui nous allons commencer avec ce qu'on appelle l'installation et de Transsoft. Pour installer Transsoft et tout simplement nous gagnons Archive ça qui c'est setup là. OK? Donc nous pouvons faire l'installation sous Windows 7. Donc, dans le cas Windows et XP ou bien l'autre Windows, c'est capable différent. Pour l'instant, nous commençons avec l'installation. Et l'unique chose à faire, c'est tout simplement double-clic sur l'icône, sur le setup. On va le faire. Sur Windows 7 et message ça qui paraît là, son message de confirmation de sécurité. Et dans Windows XP, message ça pas sorti. Donc tout simplement, et ça nous fait, c'est fait clic sur Yes pour nous capable continuer avec l'installation. Maintenant, il permet de nous sélectionner quelle langue que nous allons choisir pour faire l'installation. Et par défaut, il est sorti avec anglais. Mais et nous sommes capables de choisir l'autre langue, par exemple espagnol ou français. Et pour cas installation, ça, nous pouvons choisir tout simplement français. Après ça, nous faisons clic sur OK. Donc, on peut voir que la fenêtre est tout à fait en français. Et ce qu'on doit faire, et donnant les explications du software et tout ça, tout simplement, ça n'est pas fait, c'est fait clic sur suivant. Donc là, on a la licence et le contrat de la licence. Donc tout simplement, on doit faire aussi, et je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. On doit choisir cette option. Et après, on donne clic sur suivant. Suivant. Là, on a la fenêtre. Là, si on veut créer un raccourci sur l'écran, on peut crocher cette option. Si on ne fait pas, on laisse comme ça. Et dans ce cas, je vais créer une icône sur l'écran. OK. Et après, je donne. Et sur le bouton suivant. Là, on a un résumé de l'installation, tout ça. Et puis, ce qu'on doit faire, c'est de cliquer sur Installer pour continuer avec l'installation. OK. Le processus de l'installation. On l'attend. Après, quand et ce message et apparaît dans l'écran, ce qu'on doit faire, c'est de cliquer sur OK pour continuer avec l'installation. Donc, là, on a terminé avec l'installation. Donc, et si on fait clic sur Terminer avec cette option et crochet, donc après ça, on va exécuter et automatiquement le logiciel, mais je ne vais pas faire ça. Tout simplement, je vais décrocher et puis clic sur terminer. Mesdames et messieurs, c'était tout et ça, c'est l'installation de Transsoft.
On se revoit dans une autre tutoriel. Merci.